bonsoir. Donc, je suis Anne Chevet, présidente du SNPH. Puisque l'Assemblée générale du SNPH, c'est la réunion qui a lieu chaque année pour présenter à tous les adhérents de notre association un bilan de tout ce que nous avons fait pendant l'année. Donc c'est un bilan, ce bilan est accompagné d'un bilan financier bien sûr pour évaluer un petit peu la santé de notre association. Voilà. Et nous terminons en principe par les perspectives de l'année à venir. Voilà. Cette année, je parlais d'un tiers de renouvellement du conseil d'administration. Cette année, c'était un petit peu plus. Nous avons dû renouveler la moitié du conseil d'administration parce qu'un certain nombre de personnes ont décidé de ne plus continuer leur engagement au sein du conseil. Voilà, donc 6 personnes. Nous avons une place de choix. Nous avons réussi à acquérir une place de choix tant en voile légère qu'en habitable. Et il faut maintenant essayer de la conserver, voire de l'améliorer avec les nouvelles règles du jeu que sont le règlement sportif ainsi que les nouvelles règles de course à la voile qui sont revues elles aussi tous les 4 ans. Voilà, nous devons de plus consolider le renouvellement de notre vivier parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et puis on ne peut pas se permettre de jouer simplement sur nos acquis. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler tous les ans. Donc les nouveaux pratiquants, les inciter à venir nous rejoindre, les inciter à aimer cette activité et à faire de nouveaux adhérents et de nouveaux sportifs.